Et salut. Salut, salut. Salut Léo. Salut. Bon, ce soir, il y a enterrement à Jojo. Ouais, il faut qu'on va. T'as vu pour ma voiture ou quoi? Oui, il faut que tu passes au concess. Bon, on y va, non? Ouais, par contre, l'enterrement Jojo, tu dois être habillé tout en noir, je crois. Ouais, mais je vais y aller, t'inquiète. Acheter une nouvelle voiture. Ah bon? Ouais. Oh, je passe par là. Ah, c'est ça. T'es passé par là. Sais pas. Bonne question, je sais pas. Et moi, comme un con, je te suis. C'est 22 h, hein, par contre. Il est de l'autre côté, ce connard. Allez, hop, direction le concès. T'as pas peur parce que ça glisse. Mais va doucement. J'ai pas envie qu'on me mette juste à côté de toi, juste à côté de Jojo. Bonne raison. Justement, il y a les commissariats. Oula, ah ouais. Il a fait modifier ou pas? Non, elle est normale, là. Il n'y a que les freins. Je pense pas qu'il l'a déjà mis. J'ai cette musique en tête. La merde. Il devait s'appeler. Il devait t'appeler, hein, normalement. Ça tombe bien, personne qui m'a appelé. Je vais changer de froc, il y a un problème. Il est trop long. Oh, pire. Excessivement long. Je vais retirer les sous. Surveille Twitter, j'ai laissé un message.
Oh, tant pis, on reviendra après, on va aller se changer. Ouais. Je passe à la banque. Ah non. Ah, attends, touche pas. Touche pas. Voilà. Putain, il m'a pété ma vitre, ce connard. Aïe. Je sais pas gros comment j'ai fait, vraiment. C'est pas prévu. Peux me dire c'est quel pantalon que t'as? Quatre-vingt-quinze. Mais même les chaussures ça va pas. Attends, cousin, tu m'as mis des après-ski là. Sorti tes plus belles pantoufles. Quoi ta chemise? Regarde ma chemise, ce que c'est. Attends. En t-shirt, j'ai mis 44. Et limite, je crois que je vais la laisser en blanc. On va m'a ramener tout en noir, comme. Si tu penses qu'il faut être noir, noir, noir? Ou en gris? C'est comme tu veux. Un enterrement, c'est noir, moi. Allez, mocassin, frère.
en grise. Il ramène le joujou. Alors dépêche-toi. Pas 22 h. Il ramène le joujou. Le concesse ramène le joujou. Ah d'accord, ok. Pas ta veste. Tu vas me copier là. Alors en veste, c'est la 4. Il y a plein de trous. Tu sais où il est le cimetière, rassure-moi. Non. Non, vraiment? Vraiment. Ah, mais... J'ai demandé où est-ce qu'il était situé. Hein. Chier ce téléphone.
Et pourquoi t'as mis un jogging? C'est pas un jogging. Ah si, t'as un jogging sur toi. Des bandes blanches sur le côté. Ah bah non, bah c'est un... Dépêche. Désolé, hein, je suis pas très cravate. Oh là là. Une horreur. Une horreur. Il t'a trafiqué les trains pour que tu fasses un accident, le mec. Celle-là, ouais, c'est la mienne. C'est quoi, c'est une Harley? C'est une. Tout à fait, c'est une Harley Davidson Iron 1200. C'est vous qui avez retiré Équipée Dina et etc. C'est vous qui avez retiré le glyphe Harley Davidson, non, dessus? Oui. C'est bien ce que je me disais. Aïe aïe aïe. Bon, Bon, on ouais, s'en fait ici, on pas plus va. longtemps. Donc, écoutez, encore désolé, hein, et puis passez une bonne Pas soirée. de soucis. Ouais, bah Merci vous aussi. merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Et Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. vas-y, Léo. Je sais, je sais, je sais, je sais. Attendez, je vais l'ajouter au catalogue et puis vous pourrez aller le chercher, vous inquiétez pas. Et voilà, c'est au catalogue. Merci. Dites-moi, est-ce Oui. que vous savez où il est le cimetière? Alors là, comment vous expliquer ça? Vous voyez sur votre GPS le réparateur de téléphone? C'est le grand C sur le GPS, non? C'est le grand C rouge. Ouais. Et bien juste au-dessus. Il y a deux logos De maison. de maison là, et ben c'est là. D'accord, ok. Merci. Pas de soucis. Bon, je suis très content de mon Mustang, mais putain, qu'est-ce que ça glisse? Ah mais ça c'est la propulsion, hein. Puis vous avez un V8 américain, hein. C'est pas de la gnognotte. Oh putain. Juste aller voir derrière s'il a bien réussi à récupérer son véhicule. Impec. Attends, ouais. Et ta caisse? Ah, faut me ramener à ma voiture. Confirme, c'est très maniable. Vas la mettre où? Au garage chez nous. Au QG. Ok, bah ouais, ça marche.
Ah ouais. Encore retourner. Bon là on se dirige à l'auto-école du coup. Putain, grosse pute. Aïe. Post image. Pourquoi tu veux le partager à qui? Je prends ça après, au pire un hein. Au pire le lien, et puis c'est après, là on va le ah, là tu peux le faire. Mais.
Je vais sortir le Saddler plutôt. Sûr ce soir. Un peu bizarre avec ce qui va se passer ce soir. Elle a chargé, j'ai ouvert l'auto-école.
Bonjour. Bonjour. Ouais, je vais voir parce que j'ai Bonjour. perdu mon. Peut-être que je parle, je m'entends dans. Oui, Ça dites-moi. résonne un peu. Oui, j'ai perdu mes permis. Donc, c'était pour faire réimprimer, si possible. Ouais, pas de souci. Je vais vous faire la facture. Nom et prénom, s'il vous plaît. Ouais, Millet Brazic. Ok, je vous envoie la facture. Ok, j'avais permis moto, voiture et poids lourd. Attendez, je paye facture. Hop là, c'est payé. Et voilà, vous avez récupéré vos permis. Hop, attendez. Oh, super, eh bien écoutez, merci beaucoup. Passez Mais une je vous bonne en fin prie. de journée. Au revoir. Au revoir. John, Salut, ça va? ça va et toi? Ouais, ça pourrait aller mieux. Ouais. Faudrait que je te voie un moment si pour voir si vous êtes intéressé pour une pub avec le Wizen. Faudrait que je puisse te voir à un moment, ce sera disponible. Attends, déjà, faut que je me batte pour garder l'auto-école où je suis pas propriétaire. Ah ouais? Ah, Josiane était propriétaire. Salut. Salut Léo. Donc, j'étais co-directeur et je suis passé directeur entre deux. Elle avait juste les murs. Donc, je vais essayer de jouer là-dessus pour essayer de récupérer l'auto-école. Ok. Je veux pas que n'importe qui récupère que Josiane m'a légué hein, avant de partir. Bah ouais, tu m'étonnes. Ok, pas de soucis. Bon, vous allez à l'enterrement tous les deux, j'imagine. Bon, on se croise là-bas tout à l'heure, les gars. À tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Oui, Jack. Ouais, tu seras bien là ce soir à 22h. Ah oui, quand même. Tu comptes t'habiller comment? Bah, je suis habillé tout en noir. À part la chemise, elle est grise. Bien en rose.
T'es un génie. Putain, faut que je vais me recharger, mais t'es un génie. Non, mais de toute façon, Gabriel et moi, on va se mettre en rose. Peut-être Lexi. On va essayer de mettre un maximum de gens en rose. Là. Essayer d'aller prouver, d'aller choper une voiture et de la mettre en rose. Si j'ai le temps, je vais essayer de voir pour faire ça. Ben, nous, on va s'y mettre là. Je prépare juste un petit mot. Passez le mot à Léo. Ouais, ça marche. J'ai pas de soucis. Ok. À toute. Léo, tu peux t'occuper de ces gens tant que je m'occupe de prendre quelque chose, faire quelque chose dans la tête. Bonjour. Bonsoir. Messieurs. Bonsoir. Je viens vers vous pour passer le permis poids lourd et super lourd. Ok. Vous connaissez un peu. On vous a déjà renseigné tout sur les prix. Tout à fait, ouais. Alors, permis poids lourd. Il faudrait votre nom et prénom. Bien sûr. Thomas Adler. Hop là, tenez. On va faire la deuxième tout de suite. Et bah, tenez. Parfait. Alors, vous avez dû rouler un peu. Ouais. Ben avant, je travaillais pour un concessionnaire, donc du coup, j'étais obligé de promener un véhicule pour transporter tout ce qui était la marchandise, quoi. Donc les véhicules, j'avais de la super sportive, etc. dessus. Ok, c'est une bonne nouvelle, ça. Bon, j'arrive tout de suite. Ah, merci. John. Ouais. J'ai eu Gabriel, il a pensé à quelque chose pour en hommage à Julien, quelque chose de rose. Ouais. Faudrait que j'essaye de mettre une chemise rose. Ouais, je vais mettre une chemise rose même. Je vais regarder après. Ok. Bon, bon allez, à tout à l'heure. Ouais. Excusez-moi. Tout est en règle. Normalement. Tout est bon, normalement. Normalement, ça devrait. Voilà. Mais super. Merci beaucoup, messieurs. Et je vous souhaite une agréable soirée. Merci à vous aussi. Merci. On va aller mettre une chemise rose. Ferme l'auto-école.
Et putain. J'allais dire, il va pas rester en plein milieu quand même. On va prendre le Sadler pour aller là-bas. Ouais. On peut pas prendre une voiture plus classe. La chaîne, elle est où la chaîne? Ah, elle est où la chaîne? Je suis pareil. Hein? Mais hier, j'ai fait une connerie avec. Aujourd'hui, je n'ai pas d'utilisation. Ah, bah, j'ai pas de voiture plus classe alors. Oh, bonjour, messieurs. Ah non, c'est clairement pas Alexandre là. Non. Bon. Vraiment pas. Tu fais la tenue et tu nous dis. Ah, j'ai levé. Attends, pardon, oh, je passe devant vous, excusez-moi. Bonjour messieurs. Bonjour. Tu l'as fait et puis après tu nous diras. Hein. Ouais, t'es dedans. Il est en train de faire la tenue et nous on va suivre. Par contre, faut qu'on se dépêche. Ouais, vas-y, vas-y. T'es devant moi. Vas-y, ouais. Beau gosse. Là, faut que je trouve un truc rose. Ah, c'est pas évident. C'est laquelle ta chemise? La 44 et tu changes. Non, c'est pas normal. Faut que tu fasses un très gros pipi. Et tu prends une autre couleur de la 44. Vas-y, vas-y. Au pire. On est. Oui, on est au magasin de vêtements. Il est en train de faire la tenue et comme ça, nous, on suit après. Ok? Allez, let's go tout de suite. Pas vraiment de rose. Hein. Dans l'arrière-boutique. Qu'est-ce que tu dis? Je vais faire pipi dans l'arrière-boutique. Vas-y. Ah, tu l'as entendu, il va faire pipi derrière l'arrière-boutique, il est dégueulasse. C'est vrai. Non, pas ça. Ah, ça va m'énerver, je sens. J'ai pas de patience, moi. Allez, t'inquiète, ça va le faire. T'inquiète, il est 21h32, c'est bon, on a le temps. J'aime bien ce truc. Ah. J'ai pas une très bonne nouvelle là. Quoi? Il y a Alex, elle m'a envoyé qu'elle avait un petit souci, que ses. Attends, on chuchote, hein. Merci. Regarde là, 163. Ils ont un t-shirt. Problème au continent et donc elle est toute seule. Aïe. Ouais, quelque chose d'assez rose quand même. Ouais, c'est pas mal. Allez, on part là-dessus. Alors, déjà... Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Bon, je passe à l'auto-école, j'enlève mon service et on y va.
Ridicule cette. Oh. Il faut pas laisser sa voiture là. Heureusement qu'il est solide le machin. Quand tu prends la. La voiture là, celle que t'as pris tout à l'heure. Là. Laquelle ? 8. Ouais, c'est pas faux. Essaye de m'appeler tout à l'heure, ma sonnerie n'a pas sonné. Ah si, si. C'est vrai que ça n'a pas sonné. Ça se trouve du coup. Normalement oui. T'as vu ce que t'as dans ton coffre ou... Ouais, je sais, c'est dans. Sauf que je me sers pas dedans. Doucement quand on se fasse pas contrôler. Bon, j'espère qu'ils m'ont oublié pour l'autre fois. À propos de quoi? Bah, l'autre fois quand je me suis arrêté et qu'ils m'ont dit qu'ils avaient une urgence. C'est que le mec il m'a dit vous avez grillé plus d'un feu rouge là. Bah t'as eu de la chance. T'aurais perdu ton permis. Bon, on est les premiers. Hein. En même temps, on avait 20 minutes là, on est là 20 minutes à l'avance.
Ouais, c'est une bonne nouvelle. Oui, allô, monsieur Winter. Bonjour, monsieur Tessier. Désolé de vous déranger. Je tenais à vous annoncer que, après mes recherches, effectivement, vous devenez le nouveau propriétaire. D'accord. Ah bah, c'est une bonne. D'accord. Donc, faudra faire les modalités au plus haut pour qu'ils vous donnent la propriété. Parce que là, vous êtes que PDG. Donc, avoir tous les accès adéquats à cela, quoi. Ça marche. Donc là, faut que je vois le Sénat directement ou... C'est ça. Vous envoyez un email, le ticket au Sénat, vous lui expliquez que vous avez besoin des clés, quoi. Ça marche, ok. Et puis après, vous êtes là ce soir ou pas? Ah bah nous, on est déjà sur place. Sur place à l'auto-école? Ah non, enfin on est déjà là pour l'enterrement à Madame Larousse. D'accord, donc après l'enterrement, vous êtes encore disponible ou pas? Oui, y a pas de souci, oui. J'aurais besoin de vous voir soit à votre bureau, soit à la mairie. Bon, on se retrouve à la mairie juste après l'enterrement de Madame Larousse. D'accord, on fait comme ça alors. Eh ben écoutez, bon, ben, à tout ça. À l'heure. À tout à l'heure. Bon, bonne nouvelle. J'écoute. Le gouverneur vient de m'appeler. Je dois voir directement avec le Sénat. Je récupère la propriété de l'auto-école. Ah, ben, bonne nouvelle. Ça. Je dois aller le voir juste après à la mairie. Bon, est-ce que 22 sera là ce soir? J'espère qu'il est de retour en ville. Ouais. Ah d'accord. Qui sait, mais la conduite, on va repasser à l'auto-école.
Et là, ça se ramène tout doucement, c'est bien. Moi aussi je vois un truc. Bon, bon, bon. Clairement, on devrait se préparer. Plus moins, et moi le quart. D'accord, l'hôtel court dans un cimetière. Enfin, pas compris, est-ce que c'était qu'un cimetière? Il a l'air d'avoir du monde là-bas, on va aller se déplacer là. C'est mon connard de... Mes connards... Ah. Je crois que c'est... Le hardi. Le hardi. Ça va comme ça? Ouais, ça va, c'est très bien. J'en ai marre hein, qu'on se rassemble à chaque fois pour des événements de ce type. Ouais, ouais, c'est... C'est pas dingue. Je sais pas, on pourrait pas se retrouver à un bar, tous ensemble. Pour que ce soit des moments douloureux. Mmh. Non, après c'est pas le jeu. Et vous savez, tu sais si 22 sera là ce soir? Je l'ai vu au commissariat, donc je pense qu'il sera là. Ah. C'est bien. Bonjour Charlie, ça va de ce côté. Ouais, on va aller prendre des nouvelles des gens. Bonsoir. 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 Mais oui, on en parlera plus tard, Isis, mais t'en fais pas, oui, oui. On a un œil dessus et je peux te promettre que je tiens aussi à lui, donc je te promets que je m'en soucie tout autant. Il n'y a pas de souci. Je comprends que ça ne te fasse pas, que tu sois inquiète, c'est légitime. Allez, Alexis. Bonsoir. Bonsoir Alexis. Et bonsoir, monsieur. Bonsoir Alexis. Bonsoir. 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 Bonsoir, monsieur. Le corbillard est en place, donc on attend au moins
agent 22 qui est arrivé en ville. Et d'accord. On fera la petite cérémonie quand il sera là. D'accord, moi je pense qu'il y a encore du monde qui restera. Oui, je suppose. Et je sais pas comment envoyer une position générale sur Twitter. Je sais pas si ça peut se faire. Prenez une photo. Oui, je vais essayer. Alors, on est parti. Bonjour monsieur. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. On n'est pas tous en même temps, hein. On risque de ne plus s'entendre. Hein. Comment allez-vous? Bon, ça va toujours aussi bien, écoute. Il est arrivé le... Qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure? L'agent, non. L'agent, il est pas arrivé, l'agent immobilier? Non, c'est pas un agent immobilier. Ah bon? Un agent de police. Ah, c'est la police? C'est la police. Ah. Bon, forcément, il a pas le besoin de médaille, alors. Hein. Voilà. Bon, la photo est... Ah, mais attendez, bougez pas, j'ai vu une copine là-bas, je reviens. Ah, ok. Ah, t'inquiète pas, Dexy, hein, y a que toi dans mon cœur. Hein. Ah, ça va. Est-ce que vous la voyez s'afficher correctement? Ah, c'est un peu... Oui. Je sais pas comment faire. Sinon, Alexis. Hein? J'en fais un, Alexis, t'es gentil. Gentil. Je suis pas doué avec tout ce truc. Y'a qui ça? Hello Gabriel.
ils savent utiliser un téléphone, ah. Par contre. Merci Geoffroy. Ah, c'est beaucoup mieux. Merci Geoffroy. Pas de soucis. Beaucoup plus doué que moi. J'aurais fait une piètre journaliste. Exactement. Oh la vache. Où c'est qu'on peut faire une guinguette? Waouh, oh la gueule du message. Ouais, faudrait qu'on recherche une institutrice de... Ah, Marseille, il est super gentil, mais alors... ça se voit qu'il a pas été à l'école, quoi. Ouais, pour apprendre un petit peu, comme Austin. Non, mais ça, les Austin, c'est un cas désespéré, je pense. Déjà, je leur envoie un message, ils vont pas me répondre. Soir. Bonsoir. Ah oui. Putain, on est quasi raccord. Incroyable. Salut les gars. Salut. Graffelton. Je croyais que t'allais pas être là. Bah finalement si. Ah bon bah. Ah, je vais voir si ça va. Oh, c'est franc. T'es sorti là? Oh Nate, t'as pas fait d'efforts sur ton style là. Bah en fait j'étais pas prévu moi de base, c'est pour ça. Un enterrement et t'étais habillé comme ça. Oui, bonsoir, enfin, on va mettre. Ça va encore. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Ça va, il faut. Écoutez, on fait aller, hein. Ouais, voilà. C'est à quelle heure? Normalement, ça commence à 22h, mais on attend l'agent 22. Ah, d'accord. Ah oui, je l'ai vu, il avait l'air en pleine forme, hein. Il était tout content et tout. Ça m'a semblé assez surprenant. Mais ça veut dire qu'il serait pas au courant? Ah si, il est au courant, mais... Enfin, je pense. Mais il m'a dit qu'il était soulagé d'un poids et tout, et qu'il était tout content. Il a dit qu'on l'a forcé à s'habiller correctement, parce que sinon il voulait venir comme une tenue habituelle. Donc, qu'est-ce que c'est, enfin, peut-être qu'il essaye de faire un déni ou je pense que c'est le déni. Ah ouais, parce que là il était tout heureux, tout content, il était tout jovial. Ouais, parce que les vacances lui ont fait du bien, mais. Ouais. Il a dû quand même rompre ses vacances, sa femme est décédée, mais. Mais j'ai pas osé trop rentrer dans le détail quand même, mais. Ouais, non, mais il doit être dans le déni. Oui, je pense. J'espère que ça va pas venir d'un coup et que ça sera excessivement grave pour lui non plus, quoi. J'espère qu'il arrivera à remonter la pente quand même. Par contre, toi, t'aurais pu faire un effort sur la tenue. Ouais, la tenue. Ouais, c'est à 22h, là. Je vais bouger vite fait, t'inquiète. Tu veux pas aller changer de tenue vite fait? Si, t'inquiète, je vais bouger vite fait. Vas-y, je reviens. Vas-y, il y a un magasin à bijouter. Ouais, parce qu'il reste genre 2 minutes. Ouais. Attendez, mais c'était noir et rose, le thème? On a essayé de contacter le plus de monde pour... Moi, personne m'a dit. Hein. C'est pas très grave. Moi, je suis beau, voilà, comme ça. C'est un peu sombre, Ouais, là, c'est classe. Par contre, la musique, il va falloir vite la couper, hein. Qu'est-ce que t'entends? J'entends da-di-da-da-da-da. Genre Tchoupi? Non, pas du tout. Da-di-da-da-da, qu'est-ce que t'appelles? Da-di-da-da-da-da. J'entends un écho aussi, mais bon. C'est quelque chose. Non, mais ça c'est les cordes vocales de John, hein, c'est... Ah non, tout à l'heure, vous entendez un écho? Oui. Quand tu parles, on entend un écho, je t'ai même dit ça hier. Ouais. Ah, bien.
Enfin, quand tu parles et qu'on parle en même temps. Je vais aller voir les autres. Genre là, il y a un écho là. Oui. Quand ouais, on parle. Ouais. Non, mais par contre, la musique. Vous entendez la musique ou pas là-bas? Non, nous on l'entend pas. Oh putain, il va falloir que j'aille dormir, je pense. Oui, capitaine. Comment on fait? Ouais. Et Hitphone, hein. Broadcast Remix, tu le désactives là-dedans, là, en bas. Non. Ouais. Parce que dans le nombre Broadcast Remix, on est d'accord, c'est... Bah, Hitphone, de toute façon, je peux l'enlever, ouais. Les trois quarts, ça. Chat. Non, non, enlève-les pas, si on sait. Ouais, c'est bon. Ah, ça va mieux là. Là ouais, c'est mieux. Je ne m'entends plus. Il y a Monsieur 22 et le commandant qui arrive là. Ok, ok, mais on attend. Hein. Ou à l'extérieur? Comment ça? Oui. Cérémonie se passera à l'extérieur ou à l'église? Arrive. C'est l'agent 22. Mon avis, à l'extérieur. Hein. Je crois pas qu'elle aura apprécié l'église. Enfin, je sais pas. C'est monsieur ça. De les messieurs de l'auto-école, vous la connaissez mieux que tout le monde. Donc. Non, non, c'est une femme qui était extrêmement libre, donc... On ouais. Ça à l'extérieur. Ok, d'accord. Oh oui, non, mais quand même, là, les motos, les gars... Ah, c'est des backers, hein. Ça l'énerve. Je vais appeler la vieille. Sacrée femme. C'est le cas de le dire. Bonjour. 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 Ah, ça arrive. Ah oui, carrément. D'accord. On va peut-être commencer, non? Pas 122. Si en plus. Donc il est là. Mais non, mais je ne savais pas. Moi. Oui, oui. Ah, oui, oui, si, si, il est oui, arrivé oui, en ville. Il est là, je l'ai vu. Il est arrivé ce soir en ville, ouais. Mais je l'ai vu, il était tout jovial. Ah
Il a pas vu l'horaire, d'accord. Ouais. Mais en même temps, s'il était pas au courant. Ils sont en route, monsieur le procureur et monsieur de la concession les a eu au téléphone. Il était en train de se faire une petite tenue quand je l'ai croisé. D'accord. Oh bah. Aïe Pas ici, messieurs, s'il vous plaît. Je sais pas que recourir se passe. Ouais, vous inquiétez pas, je vais m'en rappeler. Vous allez bien, maître Velda? Plus tard. Bon, à bien. Ah, salut, vous deux, je vous ai pas vu. Bon, pas trop. Je crois que t'as surtout pas eu le temps de l'avoir. J'espère qu'ils vont pas avoir de problème en route. Ouais, c'est bizarre qu'ils mettent autant de temps. Mmh. Vas-y, ça marche. C'est qui le croque-mitaine? Vas-y, je transmets. Le commandant a dû à la pompe à essence. Ils arrivent. D'accord. Oh. Je pense que sinon on peut peut-être déjà se diriger vers la tombe. Je pense, oui. Ouais, on va faire comme ça ils verront. Vous êtes sûr que c'est pas monsieur 22 qui doit avancer en premier? Oui, je pense. Et ben, est-ce qu'il sait où on l'enterre? Non, mais après... oui, c'est que j'ai dit que c'était au cimetière. Oui, mais quelle tombe? Ah bah non, on va bien voir. Ah voilà. Eh ben. C'est quoi ta tenue? Oui, c'est pour mon collègue. Vende-la. Je vais m'avancer pas. C'est pareil là-bas. Regardez, c'est pas une bête de foire. Si tu veux, viens. Vous avez mis quelque chose sur votre tête.
On va tout doucement se diriger vers la tombe. Bon bah ils nous ont pas suivi. Pas de... Oh là, excusez-moi. Je peux mettre à côté de vous, c'est bon. Pas de soucis. Fais le tour. Eh non, tu vas pas marcher sur la tombe de mon père. D'accord. Oh, 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 oh. Laissez la fille du gouverneur tranquille, ça va pas le faire. Hein. Avec cette phrase, hein. Attention, vous marchez sur des tombes, peut-être se décaler. Bon, monsieur 22 est très triste, donc je pense qu'il prend un petit peu de temps pour assimiler les choses. Si vous pouvez crier un peu plus fort, ça pourrait être super. Oui, voilà. Vous m'entendez mieux là ? Ouais. C'est parfait. Okay. Ah, 22, il est parti faire pipi, il allait se pisser dessus. Ah, d'accord. Ouais, c'est ce l'émotion, je crois. Quand bien même, c'est peut-être pas le moment pour. Non, je vous dispute pas, monsieur Doudou, excusez-moi. Parlez plus fort. Ça vous convient ici ? Non, c'est très très beau. Merci à tous d'être venus pour l'enterrement de Josiane. Je pense que ça lui ferait très plaisir de vous voir tous ici présents. Vous êtes tous ses fidèles amis, ses fidèles proches. Monsieur Marteau, encore toutes nos condoléances. Si vous avez un mot à dire, je vous en prie. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler. Je suis plein d'émotions actuellement. D'émotions que je ne m'y attendais pas. Où je me sentais...
J'ai un peu du mal à trouver des mots, comme vous pouvez le constater. Et je vous en excuse. Hein. Bah, Jojo était quand même... Bah, c'était Jojo, quoi. C'était... Bon, bah, elle était... Elle était Jojo, et des fois, c'était pas Jojo. Bon, c'est vrai que... Elle est... bon, c'était quand même une très belle femme, ça, vous l'avouez. Avec... Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que... Oh, on s'entortillait les poils le soir, on se rongeait les ongles, on se... Pardon, c'est trop de détails. C'est trop de détails. Mais voilà, c'est... C'était pas facile non plus, la vie tous les jours, avec Jojo. Avec ma Jojo. C'était pas... Pas très facile, plus pour moi que pour elle. C'est-à-dire que... Mais à sa façon... peu avec des bourpifs quoi, mais c'était sa façon de bébé, c'était voilà. Aujourd'hui elle est partie, ça va être très dur de s'en remettre. Oulala, ça va être moi je pense que ça va être très dur, hein. Très dur, oui, voilà. Allez le sauver, c'est plus quoi dire. Toutes nos pensées vont vers vous et nous vous souhaitons beaucoup de courage dans ce moment difficile. Merci. Et vous pouvez compter sur nous si vous avez besoin de soutien. Oui. Nous serons là pour vous. Peut-être que quelqu'un d'autre veut dire un mot. Okay. Monsieur le gouverneur, je ne sais pas si... Il y a un monsieur là qui lève les bras. Ah oui. Bah, allez-y, vas-y, monsieur. Monsieur, lève les bras, n'hésitez pas à crier. Calmez-vous, dame, va tout. Oui, merci. Dames, messieurs... Nous sommes réunis en ce triste jour pour l'enterrement de Josiane. C'est avec une profonde tristesse que je souhaite toutes mes condoléances à ses amis, sa famille. Je pense pouvoir parler au nom de Josiane en disant qu'elle n'aurait pas voulu nous voir tristes. C'est une personne qui aimait vagabonder, qui avait beaucoup d'amis, qui aimait faire son show. Gardons-la tous dans notre cœur et faisons perdurer le Jojo Show à l'avenir. Merci pour votre présence. Je crois également il y avait le commandant, il avait écrit un texte. Vous avez dit ça, commandant ? Pas doute. Commandant, il avait écrit quelque chose pour la cérémonie. Hein. Ah, je croyais que vous avez écrit quelque chose tout à l'heure, j'ai pas compris. J'ai un petit mot à dire. Ah, ben, monsieur le gouverneur, allez-y. La seule chose qu'on peut dire sur Mademoiselle Larousse, c'est que la ville a perdu, on va dire, presque un symbole. C'était peut-être une citoyenne comme les autres, mais quelque part au fond de vos cœurs, elle était plus que ça. C'est vrai. C'était une femme à barbe. C'était une femme à barbe, tout à fait. Ça, c'était bien, ça. Hein. C'était une femme qui a apporté des moments, j'avoue, comment dirais-je, de gêne. Mais ces moments de gêne, au final, on en rigole encore tous, même maintenant. Moi, le premier, où elle m'a piégé une fois, je vais vous l'avouer. Et je m'en excuse, 22, de ce que je vais vous dire. Mais elle m'a piégé avec votre sœur, ou elle m'a obligé à l'embrasser. Sur le moment. Oui. Une sœur. Ah bah c'est. Une sœur. Eh bien, écoutez, elle me l'a présenté ainsi, quoi qu'il en soit. Ah bon ? La personne me tient au courant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Sur le moment, j'ai mal. Commandant, j'ai une sœur. 22. Sur le moment, je prie, mais encore une fois. Elle va beaucoup me manquer. Sa façon d'être, sa façon de nous parler, et sa façon même de créer de la zizanie, ça va créer un énorme vide dans cette ville. Et si, Mademoiselle Larousse, vous nous entendez, sachez que on pensera énormément à vous tous les jours. Oui. Merci beaucoup. Galère, hein. J'ai un petit mot à dire aussi. Ah là là, sacré Jojo. T'as été une des premières personnes que j'ai croisées en ville. Au premier abord, on pouvait se dire, mais c'est qui cette folle ?
Mais quand on apprend à te connaître, on se rend compte que cette grande folle, ben, elle est vraiment attachante. Je n'oublierai jamais ces soirées passées aux Bahamas, où tu demandais à te faire déboucher le pot d'échappement, ou bien tes twerkant de la bière endiablée sur les podiums. Je n'oublierai jamais aussi toutes tes tenues extravagantes qui te rendaient si particulière. Ça, c'est vrai qu'elle était belle quand même, hein. C'était une très jolie femme. Tout à fait. Et bien conservée pour son âge. Cette bonne dose d'humour et d'humeur vont beaucoup me manquer. Après, si ça agaçait certains, moi, ça me donnait le sourire. J'espère que où tu es maintenant, tu te fais bien tortiller les poils et qu'on te débouche le pot d'échappement aussi souvent que tu souhaites. Merci, Jojo, pour ce que tu as apporté dans cette ville et surtout à ses citoyens. C'est fini ? Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un mot à dire ou... Bon, on peut aller fêter ça, on va boire un coup ? Ben, merci à tous pour votre présence. Oui. Ah oui, c'est l'émotion. Ben, elle serait contente, Jojo, qu'on aille boire un coup, hein, qu'on fête ça. Oui, je pense que... Ah oui, oui, oui. Allons boire un coup. Wouhou ! On peut aller boire un verre, pas tout ça ? Non. Où est-ce qu'on pourrait boire un coup ? Au Bahamas, ben, du coup. Non, c'est fermé. Ah. Au billard ? Billard. Et Brian ? Ah oui, allons vendre nos terres, exactement. Ça arrangerait. Ah oui. Oui, bah, dis qu'on va vous... D'accord, dis qu'on nous. Oui. Ben, merci beaucoup à tous. Mais si je peux me permettre. Oui. Certes, le Bahamas n'est pas ouvert et le billard, bon, voilà. Oui. Mais exceptionnellement, on va ouvrir le hôte de notre nouveau bar, le temps de la soirée. Vous avez un bar, Rose ? Oui, avec Gabriel et... C'est où ? C'est pas très loin, c'est au niveau du... Au niveau de la mairie. Au niveau de la mairie, au-dessus de la mairie. Ah bah super, ça ! Voilà. Donc il nous faudra juste un peu de temps, histoire d'aller chercher. Ah bah, du stock, vous préparez, puis vous nous envoyez un message, comme ça on dira... Non, mais... On dira voir la santé de Jojo ! Dirigez-vous directement... Oui, monsieur. Et on verra là-bas. On fêtera mon célibat. Si tu le vois comme ça, écoute. Quelle histoire. En tous les cas. Merci à tous. Et du coup, ben voilà. Rendez-vous au Cocatos, ceux qui veulent. C'est 22 qui invite. Posez-lui la question directement. Oui, posez la question à 22, monsieur. Ah, attendez, bougez pas. Monsieur, oui. 22, excusez-moi. De vous déranger. Déjà, toutes mes félicitations. De l'avoir supporté, cette petite dame, d'avoir su plus comprendre, c'était un calme. Ah bah oui, c'était sûr. Donc, fallait voir avec le gouverneur qu'il vous remette une médaille. Et s'il faut, vu que c'est exceptionnel, on prendra de nos points. Le gouverneur, pour qu'il vous remette une médaille d'honneur pour l'avoir supporté toutes ces années, cette dame. Ah bah donc, elle est étrange. C'est vous qui invitez tout le monde au Cocatos pour boire un petit verre ? Ah, c'est le Cocatos qui invite. Ah bah, c'est bon alors. Je te laisse. Parfait. C'est bon, ça, on va aller se rincer du coup. Bah voilà. Tu es triste, je te la... Maître Fétain. Commandant. Commandant. Pourquoi vous le tapez ? Et oh, tu n'oublies pas d'enlever votre tenue. Hein. Que vous puissiez rester avec nous. Venez. Bon, allez, hop, au Cocatos. Après, ouais, je passe vite fait à la mairie. Envoie-moi une lock. Je peux te dire, c'est. Au pire, on mettra. Tu sais quoi, je vais prendre une capture d'écran de mon GPS. Ouais, fais ça. On voit ça. Moi, je passe vite fait à la mairie parce que je dois voir Monsieur Winter. Et puis après, on se rejoint là-bas. Tu me permets de t'envoyer un truc sur l'intranet ? Monsieur le gouverneur. Non. Gabriel ? Oui. Je me permets de t'envoyer un truc sur l'intranet, c'est pour le post de Twitter. Parce qu'il faudra faire un post Twitter pour les gens qui veulent venir. Oui, mais oui. Pour la localisation. Il n'y a pas de souci.
Oui, monsieur le gouverneur, je me dirige vers la mairie. D'accord, j'arrive d'ici moins d'une minute. Ok, ça marche. À tout de suite. Mets-toi sur 24,89. Normalement, j'y suis, je crois. Bonsoir. La radio? Il y avait quelqu'un tout à l'heure. Présence radio. Est-ce que c'était une blaison? Et blablabla, et bla. Bon, je pense que ça va remplir mon rôle. On nous soupçonnera pas. Ouais, t'as bien fait. Il a pas l'air d'être là. On va patienter. Hein. Il t'a dit quoi au téléphone? Il a dit qu'il arrivait d'ici une minute même. Ils vont devoir rechercher un nouveau maire encore. Oh là 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 là. John Tessier, maire de la ville. Non. Quoi? À mon avis, maire de la ville, pour toi, c'est plus compatible. Au contraire, on aurait plein d'infos. On sait jamais trop, tu sais.
Bon, j'espère qu'il va pas nous faire patienter des heures. Ouais, je l'espère aussi. C'était où c'est alors le machin là? Quel machin? Ah non. J'attends que tu le mettes sur Twitter, mais... A priori, ils sont pas pressés. On va faire les choses bien jusqu'au bout. Je vais envoyer un message à M. Winter. Ah non. Ah bah je crois que le... Il me semble, hein. On l'a pas vu. Il me semble que c'est ça. Un véhicule. Il faudra qu'il nous envoie le... Ah, c'est bon. Ils ont envoyé le lock. C'est bien, tout ce véhicule comme il faut. Bon bah c'est juste à côté. Voilà, c'est pas bien. Désolé du retard. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Oui. Pas avec vous, avec l'auto-école. Venez, on va entrer. On va monter, on va aller en salle des réunions. J'avoue qu'avoir une réunion après un enterrement, c'est pas la meilleure des choses. Ouais, mais malheureusement, on peut pas se laisser abattre. Faut jouer des trucs de dingue ce soir. Je suis rapide. C'est mieux comme ça, si on boit, on a besoin de prendre le bord. Exactement. Bien, alors, je vais peut-être parler un peu plus fort. Ouais, ça doit être bon là. Oui, on entend très bien. Oula, ouais, même trop là, oula. Beaucoup même.
Alors, comme je vous l'ai dit par téléphone, donc légalement vous êtes de, vous devenez donc le nouveau propriétaire. D'accord. D'accord. Ça me rassure pour la mémoire de Josiane. Ce qui fait que voilà, faudra voir plus haut pour que vous ayez les clés de façon correcte, parce que là vous êtes juste que le directeur. Ok. Je suppose que vous avez accès au coffre. Oui, j'ai accès à tout, normalement. Ouais, donc en fait, il vous manque juste ce qu'on appelle le titre ou le badge, peu importe. Ce qui fait que, par contre, vu que vous êtes en tant que nouveau, dirais-je, PDG, d'accord. Le contrat que j'avais avec Josiane repart à zéro. D'accord. C'est-à-dire qu'elle avait normalement elle avait un taux de taxe à 10%. Ouais. Donc par conséquent, en tant que nouveau PDG, le contrat est caduc et par conséquent, vous repassez à 20% de base. D'accord. Voilà. Après, si vous avez des difficultés financières, on pourra retravailler éventuellement le contrat que j'ai eu avec Mazette Josiane. Mais je pense qu'il me semble que vous avez quand même pas mal de clientèle. C'est mieux. Beaucoup mieux même. D'accord. Jusque-là, je n'ai pas eu besoin de faire de demande de vérification des comptes parce que par rapport à ce que je recevais, ça me semblait tout à fait correct. Je ne vais pas en redemander une maintenant parce que vous êtes le nouveau PDG. De toute façon, il n'y a rien qui m'oblige à faire ça de toute façon. Ah, pas maintenant! Gabriel. Allô? Oui, je vous entends. Dites-moi, je suis en réunion. C'est pas grave. Comme j'ai dit, vous notez toutes les boissons, alcool, peu importe. Vous mettez tout dans une note et le gouvernement paiera pour tout le monde. Bonne soirée. Désolé, excusez-moi. Non, non, il n'y a pas de souci. Voilà pour le premier point où je voulais qu'on soit d'accord. Donc, vous ouais, inquiétez pas sur, voilà, pas de contrôle. Vous n'aurez pas de contrôle, quoi qu'il en soit. Sachez que de toute façon, c'est déjà moi qui gérais les finances. Donc, il n'y a rien qui changera à ce niveau-là. Très bien. Par contre, je veux juste que vous rajoutiez quelque chose qui me gênait et que Josiane à chaque fois me disait oui, oui, et en fait, je vois qu'elle ne le faisait pas. Et c'est que j'aimerais que vous ayez un historique des personnes qui ont le permis ou qui ont passé le permis. Ok, voilà, ça peut se faire ça. Ça peut je se sais que. Faire... Que vous mettez en place, c'est-à-dire à partir de le plus vite possible, en sachant que je sais que. Il y a déjà plein de gens qui à l'avance vous répondent pas à qui vous avez donné le permis ou pas, mais c'est intéressant de savoir si une personne a perdu son permis pour X tempête par exemple, ouais. Que vous ayez une trace que telle personne a bien passé tel permis ou tel permis, et qu'ils n'arrivent pas en la bouche en fleur chez vous en disant ah oh, il y a une tempête, j'ai perdu mon permis. Est-ce que vous pouvez me le redonner? Et donc, forcément, vous allez redonner le permis en sachant que peut-être le permis moto, ils l'ont jamais passé. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais non. En fait, quand on redonne un permis, on fait passer en théorie et ça redonne uniquement les permis qu'ils avaient déjà. Ouais, je vous prends un exemple tout bête. Moi, chez vous, j'ai passé donc permis B. Ouais. D'accord. Permis moto. Ouais. Permis super lourd. Ouais. Il y a eu une tempête, je sais pas si vous venez, où on a tous plus ou moins, enfin tous les citoyens ont perdu plus ou moins certaines choses. Ah, c'est simple, regardez. Ah ouais, non, mais je suis peut-être pas en service. Et je suis revenu redemander qu'on me redonne mes permis. Ouais. Sauf que j'ai oublié de dire que j'avais le permis moto. Ouais, d'accord. Mais c'est pas très grave, puisque quand voilà. Je fais théorie, le permis. Et dans la base de données, il ressort uniquement ce que vous aviez déjà.
D'accord, sauf que quand je suis allé redemander, quand j'ai revenu pour dire, ben, j'ai oublié de vous dire que j'avais le permis moto, ce que vous pouvez me redonner, il m'a posé la question, vous êtes sûr? Et c'est là, ça m'a interloqué, j'ai dit, mais mince, ils n'ont pas de d'historique. Ça, c'était dû à la grosse tempête qu'il y avait eu à un moment, il me semble. C'est ça, la grosse C'était tempête où vraiment, on ouais, a. c'était vraiment une grosse tempête exceptionnelle. Ouais, non, mais moi, je, c'est parce qu'ils ont. Je veux pas que des gens, enfin des citoyens viennent vous arnaquer en grattant des permis et que vous les croyez sur l'honneur. Ah si si, je l'ai passé, il faudra me le redonner. Ouais, non, mais vous en faites pas. De toute façon, j'ai le livret de compte avec tous les noms depuis oh bien avant même que je sois là, bien avant que Dante soit là, donc. Moi, personnellement, quand il y a eu cette grosse tempête, je revérifiais sur les livrets de compte pour savoir si effectivement il y avait eu un passage de permis. Et j'aimerais autre chose, à voir si c'est possible, j'aimerais que vous travailliez là-dessus. Enfin, sur deux choses. Ouais. Un fichier en commun avec le USPD. Alors ça, normalement, c'est déjà en place, sauf qu'ils ne nous le remplissent jamais quand il y a une perte de permis et tout ça. C'est ça, d'accord. Donc logiquement, ça devrait déjà être en place quand on regarde sur l'intranet de l'auto-école. Et bon, l'AFPO D'accord, n'arrive bon. pas à passer. Donc. Ok, bah, si vous de votre côté vous donnez l'info que l'USPD ne donne pas l'info, effectivement, là j'en parlerai au procureur de, on va dire, de revoir ça avec l'USPD. Ouais, c'est moi qui avais fait la demande justement pour mettre ça en place. Ça avait été mis en place, mais c'est pas encore pris en compte par la LSPD. Et le dernier point dont je pense vous risquez d'avoir peut-être certains envieux, bien que je sais que certains citoyens ont déjà cette chose alors que c'était illégal, étant donné que c'était pas officiel. Le permis bateau. Je veux que vous écriviez comment s'appelle enfin un bouquin, si on veut, Ouais. sur l'apprentissage du permis bateau. Vous recherchez, si vous voulez, toutes les infos qui permettent de conduire un bateau, de le manœuvrer. Un fascicule, voilà, en gros, qui pour vous permettra Un guide de un guide, conduite. voilà, un guide de conduite avec tous les termes adéquats, bien sûr, D'accord. qui va avec le bateau. Et une fois que vous l'avez écrit et que ce guide est clair pour n'importe quel futur comment dire, professeur, enfin professeur. Putain, j'arrive plus à trouver mes mots hein, ce soir, ça y est. Donc, Instructeur, voilà, merci. instructeur. Voilà, dans ces cas-là, on valide cela. Et D'accord. éventuellement, l'État Et vous aidera à vous financer un bateau pour les cours. D'accord. Ok, ça marche. C'est des On choses donnera qu'il une faut. participation de, je sais pas, moi je sais pas combien ça vaut, je lui dis un chiffre au hasard. Si le bateau vous coûte 600 000, ben on vous aidera, on vous avancera 300 000 pour vous aider à l'acheter, quoi. Bien, bah, on va mettre tout ça en place. C'est vrai que pas mal de monde qui demande. Et là, par contre, ça sera donc de façon officielle. Il y aura vraiment donc un guide, des cours avec les bons termes et pas juste tu prends le bateau, tu tournes à gauche, tu tournes à droite et je te donne ton permis. Non, vous devez vraiment trouver le guide qui leur permet de bien manœuvrer le bateau, de bien reculer, de savoir qui est le Déjà bâbord, qui est le tribord, enfin voilà. connaître déjà le bateau en lui-même. Voilà. S'ils savent pas me dire ce que c'est que la coque, c'est déjà un problème. Par exemple, tout à fait. Et voilà, une fois que ça s'est fait, moi je valide de mon côté et officiellement, l'auto-école a le droit de faire passer des permis bateau. Et vous aurez bien sûr votre bateau. Eh bien écoutez, c'est parfait tout ça. Tout ça va se mettre en place. Ça va demander un petit peu de temps forcément, puisqu'il faut que je reprenne d'abord la base de Par données pour les contre, je permis. vous demande de ne pas parler du permis bateau tant que c'est pas, tant que t'es pas fini, Non, tant non, que non, non, le guide vous en n'est pas faites écrit. pas. Vous en faites pas. Je ne fais plus. Je ne ferai pas l'erreur que a pu commettre notre cher ami Dante. Voilà. Je vous en saurai gré là-dessus. Très bien. Écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. C'était vous pour parler de ça. Encore désolé de faire une réunion après un Non, non, il enterrement, n'y a pas mais. de souci. Moi, on remet les choses à plat et puis.
Du coup, au niveau des taxes, on est bien à 20% maintenant, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Ah bah écoutez, j'ai déjà des personnes qui souhaitaient racheter mon l'auto-école. Bah, attendez, je suis même pas officiellement propriétaire. Puis j'ai pas envie de vendre mon auto-école, j'ai travaillé. Très bien, merci encore d'être passé et de m'avoir écouté. Ah, ce fut un plaisir. Ben voilà, je sais pas si vous allez au bar tout à l'heure, mais ouais, bah là, on va y aller tout c'est le gouvernement qui paye toutes les consommations. Eh ben. Ah bah c'est très sympa ça. Eh ben merci au gouvernement. Bah amusez-vous bien, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Eh ben John Tessie a du travail. Oh, désolé. Oui, je suis radio. En tout cas, c'est une bonne nouvelle qu'on ait récupéré l'auto-école. Ouais, bah oui. Bon, ça, c'est quoi? C'est le lieu du coconut machin, hein? Ou là, je sais pas quoi. Ouais, attends, je vais regarder si je l'ai bien mis. Moi, c'est la petite propriété. La petite propriété, toi, ça c'est l'or, l'or, merde. Ouais, coca tout. Et je veux la poule. On va se garer où ici? Est-ce que c'est ça? T'entends ce que j'entends ou pas? Pourquoi j'entends les miel pops? Non, je vais pas me garer là. On revient les gars. Ah là les big boss. D'accord. Ah oh, bah calme-toi. Ouais. J'ai fait un effort, c'est déjà ça. Bah oui, t'as bien raison. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on boit ici? Voilà. Si un petit whisky, je veux un petit whisky, moi. Ah bah, ouais, bon, on a du choix là. On a bière, whisky, martini, vodka. Allez, un petit whisky. Ah, petit whisky. Ouais. Pareil pour moi. Ok, donc vu la chaleur qu'il fait,
Ouais, d'accord, mais la piscine intérieure, c'est pas aussi vite que la piscine extérieure. Hein. Oui, c'est sûr. La piscine extérieure, elle est très grande à faire chauffer, ça vous demande beaucoup plus de superficie. Hein. Oui, oui, oui. Et vous, votre petit prénom chez Miss Blanche, c'est comment? Sergio. Sergio. D'accord. Oui. T'es italien? Non. Bonjour, monsieur. Merci. Et voilà. Je suis mexicain. Eh ben, ça va couper cher au gouvernement, tout ça. Non, j'ai pas l'accent. Ça, je m'en fous. Mes parents sont originaires du Mexique, mais sinon, moi, je suis né et je vivais en Belgique. Parfait. Oh, attention, t'as sécurisé. Qu'est-ce que vous allez à boire? Qui, whisky, s'il vous plaît. Whisky, s'il vous plaît. Bah, c'est parti. Putain, je vais pas réussir à m'asseoir. Je vais m'énerver. Ah, oh, ici, je pense que je suis en sécurité, bien non sûr. Vous voulez vous mettre sur un siège, quelque chose comme ça? On va se poser près du billard, je pense. Oh, c'est une partie ou... Merci beaucoup. C'est pas bien. C'est qui, modération? Bah oui, mais si... bah ouais, mais s'il est pas là... Je vous écoute, qu'est-ce qu'on boit? Bonsoir. Bière, vodka, une bière, s'il vous plaît. Une bière, s'il vous plaît. Oula. Une bière. Et voilà. Parfait. Aha, aha, aha. Bonjour. Ah bah oui, directement, c'est mieux la bouteille. Allez-y rentrer, monsieur. Hein. Allez au bar, vous servir, pas de problème. Ouais, non, mais je... C'est tout ce qu'il faut. Bonjour. Bonjour, vous voulez boire quoi? Vous faites des cafés? Non. Oh, là, on n'en a pas. Ou du coca, ou une boisson sans alcool? Non. Vous avez rien, je peux vous donner de l'eau. Bah, je vais prendre de l'eau alors. Et c'est quoi les hosties? J'entends parler d'eux depuis mon arrivée en ville. Voilà pour vous. Ah, merci. Je vous dois combien? Mm-hmm. Rien. Ah d'accord, bah merci. Non. Je sais pas, vous faites le piquet, pas bouger, pas parler. Oh wesh, t'inquiétez pas pour moi. Profitez de la soirée. Ouf. Je suis juste venu voir un coup aussi. J'avais soif. Très bien. Je vais en profiter. Ouais, bah vous avez raison. Ah, n'est pas ouvert normalement, hein. Au hasard, barman, il n'y a pas une petite bouteille de whisky qui traîne? Je le dis tout de suite, c'est pas en illimité. C'est bon. Bouge pas. Voilà. Ça c'est mon gars. Ça me plaît bien. Reste à côté de vous. Il y
le bino spot. Et... Pardon? De temps en temps, quand il y a besoin, s'il y a un peu de monde, je viens, je regarde que tout se passe bien. Tu m'as envoyé chercher à manger. Ah, d'accord, ok. Ouais, ouais, celui-là, j'ai l'engueulé. Non, non, je lui dis, va chercher des sandwichs parce qu'il n'y a aucun magasin. Ouais, vous inquiétez pas, on connaît notre métier. Ah, d'accord. Ah, faut le dire plus tard. Vous êtes taxi quoi? Taxi rouge, vous? De toute façon, à chaque fois que j'ai un. Ok, d'accord. Vous n'êtes pas patron. C'est une fois ou deux, j'ai appelé et la personne que j'ai au téléphone était vraiment un connard, avec respect, hein. Oh ouais, il m'a dit j'ai pas le temps, il m'a raccroché le nez. Ouais, donc bon, je sais pas qui c'est, mais pour dire à votre patron que des fois il y en a des salariés, ils sont pas bien. Bon, je vais attendre l'autre garde du corps et après on va y aller. C'est à récupérer. C'est bon. Parfait. Parfait, parfait. Bah écoutez, je pense qu'on peut y aller. Hein. Vous vouliez pas parler avec d'autres gens, quoi que ce soit. Écoutez, il y a personne. Non, on va aller voir le gouverneur, venez. Bonne soirée. Et j'ai dit, non, là, c'est trop cher, je sais pas là-bas. Hein. Bon, voilà, monsieur. Mais 22, il est déjà plus là, il est parti déjà. Bonne soirée. Là, il est pas passé. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah. Oh, l'alcool, ça fait des ravages. Hein. Oulala, oulala, monsieur. Ça va aller? Vous voulez que je vous aide à sortir? J'écoute. Non, merci, c'est bon, ça te va. Oh, très bien. Bon, allez. Pourquoi que je t'arrive? Je suis docteur. Pas sur moi, putain. Pourquoi tu me vois essayer, je veux un manteau, je suis pas. Hall de club là-bas avec leur bonnet rouge. Elle donne le choix. Elton et ses gardes du corps. Mais c'est les gars du groupe 6. Entendu tout à l'heure, c'est encore par les radios. Bon. Alors, quand on était avec le gouverneur. Ah ouais, j'ai entendu, ouais, mais... Présence radio. On n'irait pas faire un tour à la recyclerie, voir si ça braque. Tu veux aller jusqu'à la recyclerie là? Vraiment? Bah, tu te souviens de ce qu'on nous a dit? Bah, mais après. Hein. T'en veux doucement ici parce qu'il y a souvent les flics.
Elle est fermée encore ici, je suppose. Ok, personne. Bah tant pis. Oh. Aïe 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 envie. Ouais mais le véhicule c'est pas cher. On va changer de plan, hein. On va aller pour réparer le véhicule. Hein. Il roule, hein. Ça roule. Il est abîmé, mais ça roule. Ça fume, ça fume. Je vais réparer comme je peux pour l'instant. Attends, attends. Bon, le moteur il fonctionne. Je vais monter à l'arrière. On ira voir la sécurité demain, hein, plutôt. Non, à mon avis, demain, on est de sorte. Bon, on verra bien. Il faut recruter quelqu'un à l'auto-école à tout. Attention. Ah, ah ben. Oh, il a de la chance. What? What? C'est un véhicule ou ça, c'est une crêpe? J'ai potentiellement perdu des portes. Potentiellement. Ouais. Mais. Oh mon dieu, monsieur le gouverneur, mais mon dieu, mais oh là là. Mais c'est pas le gouverneur. Ah bah c'est non, John. Non. Qui non. Ah non. C'est John ah, ouais. Et Léo. Non. Je sais pas, il y a des costards aussi, c'est bon. Costard oui, chemise rose, c'est. Oui, enfin, John, il ressemble pas du tout au gouverneur quand même. Ouais, à peine. Ouais, pas du tout. Il y a des airs. Il est habillé pareil. Oh, bon, putain. Du coup. Est-ce que tu pourrais me oui. voir pour les portes, s'il te plaît? Il y a pas que ça fait pire porte, que moi. L'arrière aussi. Oh putain, le QI, toi. Potentiellement, il m'est arrivé une petite bricole. J'ai cru que j'allais mourir, quoi. Tu vas résumer. C'est un détail, ça. Pourquoi t'as fait ton Alexandra, là? Merci, vas-y, descends. C'est pratique pour descendre, t'es sûr que tu peux pas les laisser comme ça? Ouais, mais non. J'aurais peur de perdre mes voyageurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé, John? Alors, j'ai potentiellement roulé vite après avoir bu un petit whisky. Ah, bravo. Potentiellement, on a tapé un poteau, on a failli se retourner. Oh, sérieux? Et ça a arraché les portières. D'accord, mais tu devrais pas prendre le volant après avoir bu, John. Ouais, mais bon, c'est qu'un whisky, hein. Quand même, tais-toi, arrête de chanter.
Et ça va, toi? Parce qu'il y a eu l'enterrement. Comment tu te sens? Bah écoute... va falloir faire son deuil et puis... Je comprends. On verra comment ça va se passer. Courage. Bon. J'ai déjà une bonne nouvelle, disons. De quoi? Une nouvelle pour moi, pour Josiane. C'est parfait. Et que je récupère officiellement l'auto-éco. Oh, franchement, je suis contente pour toi, John. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu le mérites. Allez, voilà. Même officiellement, je deviens propriétaire. C'est cool. C'est parfait. Et puis, bah, on verra comment ça va se passer à l'avenir. Pas de soucis, elle aurait été contente de savoir que c'est toi qui l'as. Je pense. Ouais, c'est même sûr. Ok, bah faites attention à vous, les garçons, et... Oui, et bah là, je pense que je vais aller à l'auto-école dormir. Ouais, je pense que ça serait le meilleur à faire. Allez, allez vous reposer et courage. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Courage. Maintenant, tu vas chercher ma moto. Il l'a même lavé. Dans la gueule, c'est... Alexandra. Petite Alexandra. Et quand on a fait le rendez-vous avec eux, ouais. Avec elle. Je l'ai pas ramené, je te le dis. Hein. Comme on dit, garde tes amis proches, tes ennemis encore plus. Et un jour, il me demande de mettre une balle, je serai le premier. Sacré Alexandre. Bah, ils répondent plus radio. Hein. Non, il n'y a plus personne. Forcément, ils font deux appels radio, on ne peut pas répondre. Voilà, parce que... Eh ben voilà, beaucoup plus classe. Ça me va bien quand même le costume. Bon, écoute, moi je vais aller dormir. Hein. Un copatron, du coup. Non. Un seul patron. Ah, tu mets plus de copatron. Non, je mets plus de copains. Déjà, je trouve des employés. Et il faut prendre en compte que maintenant, on est à taxe à 20%. Oui. Alors, si on veut bon, pas être sur les salaires... Je peux me mettre copatron et je garde mon salaire normal, quoi. Non. Bon, très bien.